Donc, dans ce troisième chapitre, je vais vous présenter un point qui est très important, qui est celui de l'art du compte-rendu. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un compte-rendu? Quel est le plan? Est-ce qu'on peut vous donner quelques conseils et proposer quelques modèles? Alors, le compte-rendu, à la base, voici un peu sa structure. Donc, en haut, vous avez le titre du projet. Donc là, ici, vous avez le nom du projet et le numéro du compte-rendu. Donc pourquoi? Parce qu'ensuite, vous allez stocker tous vos comptes-rendus dans un répertoire. Et donc, il faut être capable rapidement de les trier dans l'ordre. Donc en haut, vous avez un cartouche avec le type de réunion. Donc est-ce qu'il s'agit d'une réunion de chantier? Est-ce qu'il s'agit d'une réunion technique? À quelle heure ça s'est passé? Quelle était la durée? Alors le fait de noter la durée de réunion est important. On verra ça plus tard, mais essentiellement ça sert pour le suivi du budget. Parce que quand vous faites des réunions, vous consommez votre budget en heures homme. Et donc, le fait de noter la durée des réunions, sert essentiellement à ça, à faire du suivi de budget. Ensuite, la liste des personnes présentes. Donc, éventuellement, on peut ajouter leur qualité. Donc, est-ce que ce sont des membres de l'équipe projet? Est-ce que ce sont des responsables de l'encadrement? Est-ce que c'est des représentants du client ou du maître d'ouvrage? Et puis ensuite, une liste de diffusion. Vous le savez maintenant, les comptes rendus, on les envoie par mail. Et donc, l'avantage d'avoir une liste de diffusion, c'est que ça permet directement d'enchaîner derrière sur l'envoi. Ensuite, au niveau du plan, l'ordre du jour, donc la liste des points à traiter, le suivi des actions précédentes, éventuellement un point sur la gestion des risques. Donc là, je vous renvoie au cours sur la gestion des risques qui est également disponible en vidéo. Les informations échangées et puis surtout à la fin, un point extrêmement important qui est donc dans le PDCA, c'est la liste des actions. Donc ici, vous voyez, vous avez un tableau simple où vous avez la description de l'action, la personne qui en est responsable, la durée avant livraison, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer et qui va le vérifier. Alors là, c'est un tableau assez sophistiqué. Parfois, c'est plus bref. En général, on met au moins trois choses dans un tableau. On dit pilote, action, délai. Donc pilote, c'est qui est chargé de suivre la réalisation de cette tâche. Action, c'est en quoi ça consiste. Et délai, pour quand. Ceci dit, vous voyez, on peut détailler un peu plus. Notamment en ajoutant cette partie ici, qui est la partie validation. Alors je reviendrai sur cette idée de validation, mais souvenez-vous, plan, do, check. Donc c'est vérifier que ça a bien été fait. Bon, et puis enfin, en bas, vous avez deux dernières informations, éventuellement des documents additionnels, si on veut regarder plus en détail les diapositives qui ont été présentées, ou des documents qui ont été rendus. Et puis, si on a été capable de le faire, à la fin de la réunion, on fixe la date de la réunion suivante. Alors parfois, ça pose problème quand vous avez des absents, mais bien entendu, l'idéal, c'est de pouvoir fixer la date de la prochaine réunion à la fin de la réunion précédente. Quelques modèles de compte-rendu sont à votre disposition. Alors, sur Internet, en cliquant sur ce lien ou en regardant sur mon site dans la partie documents, vous pouvez accéder à diverses fiches pratiques de gestion de projet et notamment un modèle de compte-rendu. Alors, ce modèle de compte-rendu, il peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut se présenter, donc sur mon site, c'est un Google Doc. Donc en fait, c'est simplement un modèle que vous pouvez récupérer, reprendre et sur lequel vous pouvez réécrire, vous pouvez le modifier. Mais c'est un document partagé. Vous pouvez aussi l'exporter au format Word. Mais il y a une autre manière de faire des comptes rendus, c'est l'utilisation du mind mapping. Donc ça, un cours sur le sujet est disponible sur mon site en vidéo. Là, on ne va pas regarder en détail, mais l'idée en fait que je voudrais vous communiquer, c'est que le compte rendu sous forme texte,
ce n'est pas la seule solution possible. Hein? Vous pouvez aussi, en même temps que la réunion se déroule, utiliser un vidéoprojecteur et donc vous montrer au fur et à mesure aux gens qui sont présents à la réunion ce qui est en train d'être écrit. Donc ils peuvent éventuellement donc amender, réagir, etc. Et vous pouvez aussi le faire sous forme d'une mind map. Donc ça veut dire que vous avez des petits logiciels. Donc notamment, vous avez un logiciel qui s'appelle FreePlan, qui est un logiciel libre, qui est gratuit. Et donc vous pouvez très facilement l'utiliser. Alors moi, je l'utilise par exemple pour prendre des notes quand je suis en réunion, hein, ou pour suivre des cours. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez très facilement créer des bulles, les redistribuer, etc. Alors, le mind mapping sert aussi beaucoup quand on fait de la résolution de problèmes, en particulier quand on fait des brainstorming. Hein? Et donc, à ce moment-là, vous pouvez facilement noter les idées, rapidement, vous pouvez déplacer les bulles et les reclasser. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, vous avez un compte-rendu sous forme de mind map. Hein? Alors, vous voyez, c'est une mind map de base. Ici, vous avez l'ordre du jour, donc avec les points qui sont, les différents points qui sont traités. Donc voilà, ici vous avez l'ordre du jour, vous avez les points qui sont à traiter, vous avez le suivi de la réunion précédente, suivi du budget, suivi de la gestion des risques. Ici vous avez les informations échangées, là vous avez les questions logistiques, qui était là, quels étaient les rôles, et finalement ça se termine sur des actions. Donc là c'est une très bonne solution de se dire qu'on peut aussi animer des réunions comme ça. Et l'avantage d'utiliser un ordinateur et un vidéoprojecteur, c'est que les paroles s'envolent alors que les écrits restent. Hein, vous connaissez le proverbe. Donc à partir du moment où vous avez formalisé les choses, vous pouvez envoyer ça aux gens qui ont été absents à la réunion, et vous-même, ça vous aide à clarifier vos idées. Et donc vous voyez, typiquement, vous avez des gens en réunion qui disent des choses, le fait de le dire, c'est bien, mais une fois que c'est écrit, c'est là que ça devient réel, que l'objectif devient réel. Une autre solution, si vous n'avez pas de vidéoprojecteur, mais si vous avez des ordinateurs portables avec une connexion Internet ou des tablettes, c'est d'utiliser un outil, des systèmes de collecticiels comme Google Doc. Et donc l'avantage de Google Doc, c'est que chacun sur son ordinateur va pouvoir écrire et ajouter lui-même des choses au compte-rendu pendant le compte-rendu. Et donc vous vous doutez que l'avantage aussi de rédiger le compte-rendu pendant la réunion, c'est que vous avez un gros gain de temps. Parce que sinon, ce qui arrive souvent, c'est que on fait les réunions, les gens prennent des notes à la main, et il faut 48 heures pour que la personne qui a pris les notes les retape et les renvoie. Donc ça fait beaucoup de pertes de temps. Alors, quelques plus au niveau des comptes rendus. Premièrement, quand vous lancez un projet, vous mettez au point un modèle de compte rendu, et ce modèle de compte rendu, vous le réutilisez de réunion en réunion. Donc vous avez un modèle de compte-rendu standard. Ce modèle de compte-rendu standard, notamment, veille à ce qu'à la fin de chaque compte-rendu, il y a toujours un tableau avec le détail des objectifs. Rappelez-vous, si vous faites des réunions qui sont du blabla et que ça débouche sur rien de précis, pas de programme de choses à faire, bon, ça veut dire que vous n'avez pas fait grand-chose. Alors on en reparlera dans la to-do list, dans le chapitre suivant. Donc typiquement, hein, la to-do list, c'est ça, vous avez un responsable, une action ou un livrable, un délai, et puis éventuellement, vous pouvez détailler, c'est-à-dire par exemple, quelle est la charge de travail prévue, est-ce qu'éventuellement il y a d'autres personnes et d'autres ressources à recruter, etc. Là, le détail dépend des besoins. Hein. Sur un petit projet, on va faire des tâches super simples, alors que sur un gros projet, on va vraiment essayer de détailler la faisabilité. Troisième point important, c'est le suivi. Donc là, je vous en ai déjà parlé, le grand péché de la plupart des gens qui font de la gestion de projet, c'est qu'ils omettent de revenir sur ce qui a été décidé précédemment à la réunion. Et donc ça veut dire qu'on brasse du vent en fait, hein. On dit des choses mais on ne fait pas le suivi derrière. Un bon compte-rendu, c'est un compte-rendu simple. Hein, donc ça ne sert à rien de morceler. Parfois, souvenez-vous, quand vous faites des stand-up meetings, le bon compte-rendu, c'est tout simplement un seul fichier sur lequel on ajoute trois lignes à chaque petite réunion. Et ce n'est pas la peine de faire plus. Un bon compte-rendu, c'est un compte-rendu qui est envoyé rapidement. Donc 48 heures, c'est le grand maximum. Hein, mais franchement, deux jours après une réunion, le problème, c'est que la plupart des gens ne se souviennent pas bien de ce qu'on a dit.
Donc, idéalement, si vous faites bien votre travail, vous rédigez le compte-rendu pendant la réunion et à la fin de la réunion, vous utilisez la mailing, vous l'envoyez par mail. Et donc là, directement, vous avez des réunions efficaces parce que vous n'avez pas de perte de temps derrière. Et les gens qui ont été absents ont tout de suite de quoi rattraper. Un point délicat, c'est l'approbation. Donc vous savez que le compte-rendu, comme il formalise des choses par écrit, il fait office de témoin officiel. Hein, donc il a même souvent une valeur légale, ce compte-rendu. Donc le problème du compte-rendu, c'est qu'il est rédigé souvent par une personne. Et donc pour que ce compte-rendu soit définitif, il faut souvent que les autres personnes le lisent et l'approuvent. Les personnes responsables le lisent et l'approuvent. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement délicat, parce que si vous dites aux gens « merci de me renvoyer un mail si vous êtes d'accord », vous doutez que quand vous avez quelqu'un qui ne vous renvoie pas de mail, déjà, faut vous penser à vérifier que vous avez bien eu l'approbation d'un tel et un tel. Ça risque de traîner des semaines. Donc là, cette question de l'approbation est très délicate. Moi, ce que je vous conseille, quand c'est possible, c'est de dire, voilà, si vous avez des remarques, merci de les faire sous 48 heures. Si vous ne faites pas de remarques sous 48 heures, ce compte-rendu sera considéré comme définitif. Alors, vous voyez, c'est un peu forcer la main, mais l'avantage, c'est que ça permet d'éviter que vous ayez une personne qui bloque tout. Bon, et puis enfin, alors ça, si vous voulez le voir dans le détail, il faut cliquer sur ce lien. Là, vous avez une checklist qui permet de vérifier l'efficacité d'une réunion projet. Donc ça, je ne peux que vous inciter à la regarder. En fait, l'idée, c'est de poser un certain nombre de questions. Est-ce que avant la réunion a été bien préparée? Est-ce qu'on a bien reçu un ordre du jour? Est-ce que pendant la réunion, il y avait un animateur qui était efficace? Et est-ce qu'après la réunion, on a bien reçu un compte-rendu? Donc souvent, quand je fais cette formation en entreprise, on regarde la checklist et puis ils vérifient en fait, les responsables de l'entreprise regardent concrètement si cette checklist est réellement respectée et s'ils font des réunions réellement efficaces. Voilà, donc j'ai terminé ce troisième chapitre. Dans le quatrième chapitre, je vous présenterai non pas ce qu'on fait en réunion, mais comment on fait pour se répartir le travail entre les réunions.